Alors attendez. Excellent. Merde. Je vous jure que j'achèterai un trépied. Mais alors là, c'est tendu. Ok, ça devrait le faire. Salut à vous les gens! Comment allez-vous? Actuellement là, on va parler manga ce soir et puis on va dessiner un peu. On va dessiner tranquillement et puis yo! Manga français, ouais, on va parler de manga, on va parler de tout en fait, je pense. Je pourrais commencer Radiant ce week-end. Mais Radiant, c'est un bon manga, j'ai lu les 4 premiers tomes. Faudrait que je lise la suite puisque franchement c'est cool. Kirshen, tu devrais kiffer, ouais. Tu as des mangaka ici, des mangaka sur ma chaîne, ça m'étonnerait. Il y a des dessineux, ça c'est sûr, beaucoup. Yo, salut Dramix, salut les Flaco, Ao, Mathieu Lombay, yo. Monkey Lee Curtis, salut, salut Gangster, t'as changé de. D'image toi. Salut Luffy Di Monkey, un Starfool Live. Yo 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 les gens, comment allez-vous? Je vais mettre la playlist à partir de là. Boum. Voilà donc. Hop, pour le son, c'est bon. Hop. Hi. Hi. Salut, je suis Blue. Le son est bon ou pas? Vous avez assez de son? Le volume, je veux dire. Hop. Donc, vous pouvez y aller hein, si vous voulez. Parler d'un sujet en particulier, allez-y, les gens. Allez-y, Ardanzag. Je sais pas combien de temps ce live va durer. Je le lance au feeling, donc on verra. En sachant qu'il faut que j'ai assez de forfaits jusqu'au 6 août. Donc d'une pour upload des vidéos et de deux pour faire au moins un autre live dans la semaine quoi. Au moins un. Donc je pense que ça va être un live de 2 heures à mon avis tranquillement donc Charbonner les questions et les débats dès maintenant. Tu dessines quoi aujourd'hui? Bah juste quelques rayonnés comme ça tranquillement. Donc ce qui va me venir en tête. Il n'y a pas à discuter Noé puis Noé. One Piece first, puis One Punch Man. Quelqu'un saurait où trouver les scanbev du one shot de One Piece. De one shot, c'est quoi one shot? Alors, boum. Je vais faire un truc, c'est que. Hop, je règle juste un truc sur le PC vite fait. Histoire que je vois les messages. Ah merde, putain. Ouais, laisse tomber, ouais. Pas moyen. Ok. Salut à Zen Manga. Merci, il était cool ton manga. Je vais le faire tourner, mec. Je vais faire tourner ton lien à Zen Manga. Bah, tu sais quoi, je vais le mettre dans la description là. Comme ça, je vais. Si je peux le faire lire à d'autres, ça peut être cool. Alors attends. Zen Manga. Manga Draft, ok, il est là. Voilà, les gars, je vais mettre un lien dans la description. Ça va être le manga d'un Starfool. Donc, si vous pouvez aller lire maintenant ou après le live pour connaître son univers et surtout lui donner des conseils ou donner votre avis, ça peut être cool. Hop, ça sera dans la description. Merde. Hop, voilà, c'est bon. Enregistrer les modifications.
Ok, là vous devriez l'avoir dans le lien si vous actualisez la page. Merci d'être là, les gens, merci à vous. Je vais commencer le dessin tranquille là. J'ai hâte à merde. Il y a Japscan, Elflaco. Ouais, moi j'utilise Japscan pour le coup. One Piece, c'est le meilleur manga pour moi aussi, ouais. Salut Sushi. Salut à toi. Salut Erwan. Ah, Erwan, bien trouvé le pseudo. Viens. Ouais, One Piece, c'est contrôlé de bout en bout, l'histoire, je veux dire. What the fuck? Donc ouais, je vais surtout faire des petits crayonnés le temps que posiez vos questions et tout. Vous voyez, c'est assez vénère. Hein. Franchement, c'est un crayonné, je me prends pas la tête. Comme vous pouvez le voir. Alors, les questions. Je fais des recherches. Hola, quoi c'est? Dessine Superman. Le fameux? Sinon, lequel duel que tu attends? Dessine sur Red? Non, je peux trop, oui. Bah, je vais peut-être le faire, ouais. Dessine Zoro. Pourquoi pas? Ça te dirait de dessiner un perso? Genre, Garen. Eh putain, vous voulez que je dessine des persos? Lequel duel que tu attends le plus de One Piece? Ah, franchement, je sais pas. Tous les duels sont bons à voir, ouais. Bon, à part les persos ultra random, mais. Le duel Luffy Shanks, j'aurais dû voir. Non, je déconne, il y aura jamais ça, je pense, mais ça sera marrant. Dernix Luffy versus Katakuri, mais on a les meilleurs noirs. Dans ce One Piece, j'ai fini Dressrosa et j'ai du mal à reprendre depuis que j'ai lu le manga comme Radon, je trouve le rythme sacrément lent. Bah, vaut mieux pas que tu regardes l'anime alors, mais franchement, le manga il déchire de ouf, mec. Il déchire de ouf. Par contre, le son il est fort là, non? Il déchire le manga. Les gens, je compte acheter des Prisma Couleurs. Vous pouvez me donner votre avis, s'il vous plaît? Bah, apparemment, c'est des bons crayons couleurs. C'est écrit en couleur, les Prisma Couleurs. C'est bien ça. Mais sinon, moi, j'avoue que j'ai des Faber-Castell et bah, c'est des très très bons crayons. Même si j'utilise pas, puisque je suis pas trop crayon en couleur. Pour toi, comment devenir mangaka selon les conseils de Renaud? Selon les conseils de Renaud, Renaud, il dit un truc très très pragmatique et qui est vrai, tout simplement. C'est si tu veux faire du manga, faut faire de la page, en fait, tout simplement. Et après faut persévérer et puis si ça marche pas c'est que ça marche pas, mais si on veut on peut, en fait, tout simplement. Ça veut pas dire que c'est simple, hein, loin de là. Un avis sur Titan Run? J'ai pas lu Titan Run, mais je sais que c'est un manga français centré sur je sais pas, la bouffe il me semble, mais je suis pas sûr. Un avis, ouais, c'est des crayons, ouais. Il y a aussi les polychromos, mais je suis pas expert. Ouais, les polychromos c'est les Faber-Castell.
Debuha à Luffy Gear Force. No lo sé. je sais pas. Moi c'est Zoro versus œil de faucon. Ah ouais putain, ouais ça va être lourd ça. Sont les meilleurs mais j'ai pas la maille, ouais, c'est ultra cher. C'est 1,80€ le crayon, donc ouais c'est coûte cher. Tu penses quoi du manga Tintin? Quoi? Le manga Tintin? Je connais pas. Je lis le manga mais j'ai quand même du mal à. Ouais je vois. Genre inventé, ouais, je me chauffe bien donc je vais persévérer. Ouais, le One Piece c'est dingue. J'ai inventé une copie au début. Bonsoir Starfou et les gens du live. Salut GMX45. Salut Norgame. Salut à tous les nouveaux et salut à Mazidris. Bonsoir à toi. N'hésitez pas à aller check les liens dans la description. Il y a le Discord de la chaîne. On est plus de 150 dessus donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, il y a mon Insta aussi, je suis pas mal actif dessus. Bah c'est là que j'avertis pour les lives en termes général. C'est là que j'avertis en général, ouais. Vous allez bien vous ou pas? Tranquille. Au copier au début. Attends, j'ai pas suivi du coup. Ouais, parce que je vais dessiner donc je vais pas pouvoir tout suivre. Je parle peu français. Hello Travis. Salut Travis. Je pensais que One Piece aurait un happy ending. Je vois bien un truc un peu mélancolique perso. Moi je pense pas que ça sera un happy ending vraiment happy, tu vois. Genre le perso dans Fairy Tail. Non, pas du tout. Non, je pense que ce sera un ending de folie déjà. Mais je pense que ça sera un happy ending, mais avec un événement qui inspire à la mélancolie, à la tristesse, genre. Genre perdre Luffy, tu vois, un truc du genre. Parce qu'il faut savoir que Luffy, il dégrade sa santé à chaque fois qu'il utilise une grosse technique, hein, faut le savoir ça. Et à la guerre de Marineford, dites-vous qu'il s'est fait piquer 2-3 fois par Ivankov avec des hormones de je sais pas quoi qui lui a enlevé à chaque fois 10 ans de sa vie ou je sais plus combien, mais il a perdu de la vie, hein. il est pas en bonne santé le fils en vrai. Et là avec les combats, les guerres, bah, la grosse guerre qui va arriver, vous inquiétez même pas que le fils va mal terminer je pense, hein. Il va envoyer du lourd mais à côté il va prendre cher, hein. T'as déjà rencontré Renaud? Ouais bah attends je vais te montrer. Yep, j'ai déjà rencontré Renaud et Salim et Roro. C'était à Japan Expo de 2016. Voilà, comme vous pouvez voir, petite dédicace. Encadré, depuis 2 ans maintenant. Depuis que je l'ai encadré. Voilà, Diego, Monkey, Diego, je sais plus, c'est ça. Hein. Donc oui, je l'ai rencontré et c'est un type que j'aimerais tout simplement revoir, quoi. Parce que il est énorme, tout simplement. Oui, il perd toujours de l'expérience de vie, il a perdu des HP. Grand fan de Renault quand on voit les crayonnés bien énergiques. Je kiffe Renault, sa mère. Tu penses que comment Saitama va se faire battre? Saitama se fera... Je pense pas qu'il se fera battre en vrai. Hein. Genre je pense qu'il y a un moment où Saitama va vraiment prendre cher et je pense qu'on va tous redescendre sur Terre, on sera en mode mais what, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce mec en face de lui? Mais au final il a très le type, je pense que c'est... il peut pas... Et je pense que c'est justement là que Saitama il va kiffer sa race. Parce que lui ce qu'il recherche c'est du challenge. D'abord, franchement Renaud devrait reprendre ses lives, je kiffe les voir. Le truc c'est que ça spoil quoi, ça spoil ses planches et forcément il a pas envie que tout ça quoi. Il a pas envie de dévoiler son taf quoi.
Ouais, je vais m'attaquer sur un manga de street workout après. C'est-à-dire que là, je vais faire le dessin d'une commission pour quelqu'un. Donc Hisoka, comme j'avais dit hier ou avant-hier, je sais plus. Que j'avais dit que je pourrais normalement pour ce live, mais je vais le faire plus tard. Et comment dire, une fois cette commission faite, je m'attaque à mon manga sur le street workout et ça va déchirer. Enfin, le dessin, ça va venir après, parce qu'il faut que je l'écrive déjà, mais j'attaquerai les character design ou les trucs dans le genre avec vous, quoi. Ça télécharge il y a 5 minutes pour 3 photos. Ah c'est... putain... ça me... Ah oui, c'est le... ah oui, lourd. Monkey D. Curtis. Pour en faire sur les premières pages. Ouais, c'est ce qu'il fait à chaque fois, Mazidrix, je crois. Starfou, je profite de début live pour te remercier. Bridgman m'a fait progresser de fou. Ah bah nickel alors Mathieu, ça fait plaisir. Si je peux donner des tuiles comme ça aux gens, franchement ça fait trop plaisir. Studio Suprême, salut à toi. Salut, j'ai vu sur Insta que t'es allé parler de Naruto. Ouais, on va parler de Naruto un peu, je pense. Si vous êtes d'accord, si vous êtes partant, parce que si je suis seul à parler de Naruto, c'est vrai que ça va être chiant, mais. Mais si vous voulez parler de Naruto, allez-y, hein. Si vous avez des questions et tout. Cool. Hello, Jeff. Harder. Salut, frérot, Zine Eagles. Salut. Sur le street workout, ça m'a hype d'avant, ça me dire. Ouais, je pense le street workout, ça m'a marqué. Et je suis pressé de reprendre, mais mon dos de merde qui s'est fait détruire. Là je peux pas reprendre, mais donc, du coup j'allie les deux passions et ça va donner un manga quand on va voir. Je vais commencer par un one shot, tu vois, et ensuite on verra si j'ai envie de me lancer sur un plus gros projet. Lui un perso hyper fragile mais qui a une sorte de larbin hyper fort qui fait des figures. Bon lui il est assis sur son larbin. Ouais je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense que je vais déjà partir sur un type qui a... ouais je sais pas, je verrai. C'est un fou aussi. C'est qui ton mangaka jap préféré? Mon mangaka jap préféré, après ça dépend. Parce que celui pour lequel j'ai le plus de respect au monde, c'est Eiichiro Oda, pour l'effort, parce que c'est un génie de l'effort ce type, c'est un génie de l'écriture, et même c'est un génie du dessin, tout simplement aussi, largement. Mais sinon, c'est vrai que style graphique japonais, Yusuke Murata. Naruto égale 6 sur 10. Ouais. Non, je pense que plus que ça, Naruto c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, après c'est vrai que la fin était moins bonne, clairement, mais c'est un chef-d'œuvre. Chapitre One Punch Man arrive quand? D'ici une ou deux semaines, je sais pas vraiment, Darlix, mais c'est une série mensuelle. En 2018, mais juste un épisode, le reste c'est en 2019. Ouais, Jeff Harder, sauf que là il parlait des chapitres, pas de l'anime, mais c'est vrai que l'anime il reprend en avril 2019, je crois. Tu sais, c'est moi que tu. Tu m'as dit que mon style ressemble à Baki Naruto 9 sur 10. Ah oui, d'accord, ok, salut Eagles. D'accord, je vois. Naruto 9 sur 10, le dernier arc, c'était pas ouf, mais l'œuvre en général est tellement belle et remplie de philosophie. Ouais, clairement, Studio Suprême. En fait, ça traite de sujets, de notions, de la vie de tous les jours, en fait. Genre, ça atteint tout le monde. La solitude, le rejet, l'amour, la souffrance, tout plein de trucs comme ça, en fait. Genre, c'est vraiment des sujets qui touchent tout le monde. Donc, forcément, c'est assez universel Et le mangaka, il a très bien traité ces sujets-là. Parce que qu'on dise quoi que ce soit, genre par exemple Sasuke Guard, Dark Sasuke ou je sais pas quoi, certes, il a pris des décisions de merde et tout, mais dans le premier arc, les 27 premiers tomes, on va dire, on parle pas de Naruto Shippuden, là, enfin moi je parle pas de Naruto Shippuden pour l'instant, mais dans la première partie, Sasuke, faut savoir qu'il en a babé. Hein. Il a souffert sa race. Shippuden m'a énormément déçu, mais perso, c'est vraiment Naruto qui m'a donné envie de faire du manga. Moi la même, mais Shippuden ça m'a pas déçu, tu vois, mais c'est Naruto qui m'a donné envie de mettre au dessin. Et là, je suis en train de relire tous les Naruto. J'ai toute la première partie, plus pas mal de tomes de Shippuden chez moi, et là, je suis en train de tous les refaire. Donc là, je suis au tome 9, tous les soirs, avant de me coucher, enfin en me couchant, je me lis un tome de manga ou deux. Et tranquille. Salut Draftman, salut à toi. Pour essayer de vous taper Renaud Lemaire sur YouTube et regarder ses rediffs. Ouais, faut regarder les rediffs de Renaud Lemaire. Ces crayonnés, ils sont trop bien. J'ai chialé en apprenant l'histoire de Nagato, j'étais petit à l'époque. Ouais, l'histoire de Nagato, elle est folle aussi. Hein.
Perso, j'aurais préféré qu'à la place de Sasuke ce serait Itachi parce que c'est Chris Dead. De relou, ouais, ouais, d'accord, ouais, je... ouais, non, mais c'est, ouais, je vois. Ouais, puis je reproche le fait de ne pas rentrer la dangerosité de la capitaine pirate comme au début, donc Rigardon. Le début de Naruto était super, mais l'arc de Pain, c'est du vin de la perdre. L'arc de Pain, il était fou, ouais, j'avoue. Après, c'est pas de la merde la suite, tu vois, mais. On sent que l'auteur a été poussé, enfin, je sais pas, il y a un truc, quoi. Je vois. Yo Issa, salut Alassane. Voilà, je vais reprendre le dessin un peu là tranquille et puis je vais relire vos questions après. Tu recopies les mangas ou tu inventes toi-même? Non, j'aime pas recopier. J'aime pas vraiment recopier. Ouais. Avant je faisais ça, hein. Je recopiais du Naruto en primaire. Bon après j'ai arrêté pendant des années de dessiner, j'ai repris il y a 2 ans et demi, 3 ans. Mais sinon, oui, je commençais par recopier. C'est quoi ton entraînement? Quel entraînement quoi? Dessin ou street workout? Parce que street workout en fait c'est du full body donc j'ai pas vraiment d'entraînement, c'est juste que je me donne à fond quoi. Bah sacrément déçu mais je garde un bon espoir de l'heure. Bah moi je garde un souvenir, ouais. Moi je garde un sacré bon souvenir de l'heure. Et moi la fin m'a pas. C'est... En fait, le combat avec Sasuke entre Naruto et Sasuke il était un peu décevant. Mais bon, c'est plus l'ensemble avec la meuf créatrice du chakra, l'arbre de chakra ou je sais pas quoi. Bon, bah ça c'était un peu. C'était pas très bon. Les pages de manga dessin. C'est quoi ton entraînement? J'ai pas d'entraînement en fait, je dessine selon mes envies tout simplement. Après, j'étudie à partir de références comment les artistes s'y prennent pour dessiner telle chose ou. Enfin voilà quoi. Vous voyez bien là ou quoi? What the fuck, qu'est-ce que je fais là? Ça peut pas être comme ça en fait. Donc salut aux nouveaux s'il y a des nouveaux. Salut, salut à vous. Pour s'améliorer, anatomie, dessin en mouvement. Salut à toi Dry Swan. Des dessins. Je sais pas si t'as vu ça toi, je sais pas si t'étais là. Mais en gros Bridgman, un très bon conseil que je peux te donner pour du live drawing, donc figure drawing, tout ce qui est rythme, mouvement et gestuel d'un corps, ça c'est parfait. De Bridgman, donc va checker ça. Et ensuite sinon fais-toi une banque d'images d'anatomie, c'est-à-dire Michel-Ange, tout plein de trucs comme ça. Merde, pardon, désolé pour l'appareil. Et surtout, concentre-toi. Concentre-toi, essaye de comprendre pourquoi ça marche comme ça et ça va venir tout seul. Pratique, concentre-toi, étudie et tu verras, ça, tu vas comprendre les choses en 2-2. T'inquiète, même pas. Ouais, Mehdi, il est pas là, je sais pas ce qu'il fait là en ce moment, je crois qu'il est
Bah non, mais il est chez lui, je crois, en fait. Tout simplement. Il révise son permis et il révise son code, là, mon poteau, là. Me l'acheter, mec. Ah bah, c'est parfait, Darius Wanner. Ton style me fait penser un peu à NMT. Je kiffe Nanatsu no Taizai, mec. C'est dingue. Signé Estrobedo, salut à toi. Donc ouais, Nanatsu no Taizai, c'est l'un des mangas, c'est l'un de mes shonen préférés. Hein. Ça a été ma plus grosse claque. En fait, quand j'ai commencé Nanatsu no Taizai, c'était à 150 chapitres et je les ai lus en 2 jours. Donc ça fait 75 chapitres par jour, en sachant que j'étais chez mes frangins. C'est-à-dire que j'avais fait le connard, alors que j'aurais dû profiter de ma famille et tout, mais je sais pas, j'étais pris dans le manga, ça me faisait trop kiffer. C'était pendant les fêtes de Nouvel An, je crois, un truc du genre en plus. Alors vous imaginez bien la grosse claque que ça m'a mis quand j'ai commencé le manga et je me suis pas arrêté, quoi. 75 chapitres, ça fait 8 mangas, tu vois, ça fait 8-9 mangas en une journée, quoi. Donc ça fait beaucoup. Tu recopies des planches de Dreamland? Non, jamais. Non, j'ai jamais fait ça. Ah oui, c'est pas des persos à moi, en fait, c'est juste des dessins comme ça. Mais oui, c'est des persos à moi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dit Curtis? L'enfant de prophétie. Ouais, voilà. Je rejoins le Discord quand j'ai pratiqué la 3D, je me mets au dessin un peu. Peu à peu. Bah oui, vas-y, rejoins le Discord et propose ce que tu fais. Hein. C'est... Sur le Discord, on partage nos créations et puis chacun donne sa critique comme il veut, et voilà. Sont pas originaux mais qui a le plus de développement de perso, c'est juste ouf. Justement, la trame paraît peut-être basique par rapport au code du shonen, mais ça a rien à voir. Ça déglingue tout, et puis le scénario, il est trop bien écrit. Le scénario de Nanatsu no Taizai, il est trop trop bien écrit. Puis le traitement des personnages, il est trop cool. Je t'ai découvert, la passion du dessin n'a jamais été aussi grande, t'es génial. Ah, si merde, Anix, ça fait plaisir d'entendre ça. Enfin, d'entendre, de le lire. Bah merci à toi, et puis bah c'est grâce à vous aussi que je reprends, que j'ai repris le dessin il y a un mois et demi, hein, et que la chaîne grandit, quoi, c'est dingue, hein. On était à 5200, 5300, je sais plus, et là on est déjà à plus de 6400, donc ça motive à fond. Akira, punaise, film d'animation. Oh ouais, putain, faut que je regarde le film d'animation d'Akira. Bah, je pense que je vais regarder après le live, tiens. Ouais. Akira. Film d'Ani. Bah. Hop. Je vais le lire après. Il y a Black Clover que j'aime bien, même si beaucoup le comparent à Naruto. Moi, Black Clover, j'ai lâché à partir de du tournoi, à partir de... Ah merde, je vais peut-être spoiler. À partir du chapitre 120, un truc du genre, j'ai lâché à partir de là. Par contre, c'est un bon manga, Black Clover. Quand j'ai appris qu'Akira est sorti en 8-8, j'étais choqué. C'est quoi sortir en 8-8? T'es à jour sur NMT? Ouais, je suis à jour, ouais. Je pense que oui, as-tu déjà vu? Appelle-moi Swan. Non, justement, j'ai dit que j'allais m'y mettre à l'animé de Hunter x Hunter. Donc, je peux pas. Je me donne pas vraiment le temps en ce moment. Ah oui, tu parles du film. Oui. Ouais, c'est vrai que c'était il y a tard. Hein. C'est dingue, hein. L'animation en 88. Hein. C'est un délire, ça me répond pas du tout. Ouais, c'est comme ça. Il y a des mangas qui plaisent et d'autres moins. Yo. Bon, ce taillon est très mal taillé. Et je parle pas d'une clip. Je parle pas non plus d'une sculpture de bois. Bah, c'est excellent, ça. Ah oui, si, j'avais un décret. Là-bas, il me semble. Il me semble que si. Excellent. Est-ce que... Oh oui, j'ai trouvé du premier coup, mais c'est dingue, on va pas perdre 5 minutes pour un tel crayon, c'est ça qui est bien. Est-ce que vous êtes content, quoi? Moi, perso, je suis ravi. Merde.
des gens qui lisent Rikudo, putain, faudrait que je lise ça aussi. Pour toi, c'est quoi le One Piece? Le One Piece pour moi, c'est le chapeau de paille. Non, ouais, je sais pas. Je préfère me laisser à la découverte. Ça se dit ou pas? Ouais, je sais pas. Pourtant, c'est super bien dessiné, mais j'avoue que ça ressemble trop à une fusion de FT et Naruto. C'est vrai que c'est hyper bien dessiné, Black Clover, par contre. Hein. Une ou deux semaines. Bah, tout le monde me dit que c'est une grosse claque Hunter Hunter, donc ouais, je vais commencer. Hein. Une banque d'images. C'est important d'en faire toujours une banque d'images, que ça soit pour des références, du character design, des photos réalistes, des modèles vivants, des figure drawing, des décors, des textures de dessin, de tout. Des poses, des références de poses et tout plein de trucs. C'est hyper important d'avoir une bonne base de données et une grosse banque d'images. Ouais, carrément. C'est hyper important là. Je vais lire les messages deux secondes. C'est important de dire comment travailler, c'est vrai. Je vais m'y mettre, chercher des refs. Ouais, fais-toi une grosse banque d'images, c'est bizarre, mais j'arrive pas à dessiner les poitrines. J'ai trop du mal à ça, moi aussi. Hein. De toute façon, tout ce qui est meuf, j'ai trop du mal à les dessiner. Hein. Salut Golden, salut au nouveau, je vous invite à checker la description et à me rejoindre sur Instagram. Pour les nouveaux là et qui sont pas sur mon Insta, je vous invite à checker tout ça. Parce que je suis pas mal actif dessus là. En général, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas produit grand chose. Mais faut savoir que ça y va normalement. Allez, excellent. Est-ce qu'on aime la vie ici, tout ce qui est vital?
Donc ouais, je vous invite à checker tout ça, les liens, le Discord et tout, et ça peut être pas mal. Merci Luffy. One Piece c'est plutôt bien, j'ai repris à l'arc de Punk Hazard. Luffy c'est une dinguerie hein. Qu'as-tu dit Dranix? Parce que je vois que Fubuki, pardon, l'autre message a été retiré, je sais pas pourquoi. En 3 ans, Nami c'est toujours une seule. Ah ouais d'accord, ok. Lourd. Une autre choix. Est-ce que vous voulez des palais bretons de type Marc Repère? Hey, Curtis, il est plus là. Hey, j'oublie pas, moi. Curtis, Calcim et tout, là. Hey, je retiens. Avant, ils étaient là. Maintenant, ils se pointent même plus. Déjà, Curtis, il était pas là au dernier live, je crois, il me semble. Salut à vous. Au nouveau, salut à tous. Ouais. Elle est super bien ici. Eh mais c'est une pub ça. Merde. Ah c'est la lucky night club. Tu dessines de tête. C'est vrai que si tu te dessines toi-même et que tu dessines de tête. Ouais. Sur B4 Comics, il y a pas mal de trucs intéressants, les gars. Ouais. C'est bien vrai, là. Tout ce que vous dites, c'est vraisemblable à tout ce qui est vrai, quoi. Donc, Ah putain, il est... Eh, le palais breton, il est mal passé, hein. Donc ouais, quand je vais attaquer le manga, c'est là que vous allez voir vraiment ma progression, hein, parce que là, je fais pas grand-chose, hein. C'est pour ça que là je vais terminer le dessin là pour la commission dès que possible, donc faire un truc propre, hein. Je dis pas que je vais le bâcler, loin de là, je vais faire un truc propre et ensuite je vais passer sur mes projets. Voilà. Il y a mon site, bon putain, je suis en train de dire que je veux passer sur mes projets et je suis là à faire ma pub sur mon site. Si vous voulez, il y a mon site dans la description, c'est le Big Cartel, si vous voulez me soutenir en ayant un dessin en contrepartie. Enfin, si vous voulez un dessin tout court en fait. C'est dans la description, ça s'appelle Big Cartel. C'est le deuxième lien, mon shop. Ah, il m'a pas fait du bien. C'est sablé là, ça gratte la gorge. Salut à vous le nouveau. Sur les animaux aussi, si ouais. Mais je vais mettre de côté pour l'instant.
peux m'attaquer à un truc qui me fait encore plus kiffer. Donc, comme on dit dans le jargon, Starfoula. Oh, c'est tellement chiant. Putain. Excusez-moi. Ouais, moi je retire surtout que Curtis et tout, ils sont pas là. 39, oh putain, on est quand bienvenue à tous les hauts. Salut, Super Hotfire. Super Hotfire, Sunfire. Salut à toi, dessine un cheval s'il te plaît. Un cheval, mec. Violoncé. Oh, salut Maxime, je t'aime. Eh les gens, vous êtes 39. Je veux 39, merci Maxime. Non, je déconne, c'est impossible. Gommette des pouces bleus. Merci à toi Maxime. On est 40. Ça fait plaisir les gens. En un... si oui, c'est cool ou pas. Ouais, je suis déjà allé en internat, alors c'est cool. Ça dépend avec les personnes avec qui tu tombes en fait, tout simplement. Sinon, ouais, c'est très très cool. Je vais faire un forain. Non, je déconne, c'est pas un forain, mais. Vous allez voir, ça va être drôle. Enfin, ça va pas être drôle. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde. On est 42, mais pourquoi ça vous demande comme ça? Merci à vous. Yann. Putain, et le pire, c'est que ça a marché en plus, Maxime. C'est dingue. En fait, faut demander aux gens, tu sais, pour. C'est marrant, ça. Salut, Emilien. Salut à toi. Mademoiselle Mina, salut à toi, mademoiselle Mina. Salut au nouveau. Salut au nouveau. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes là. Parce que là, les anciens là, ils commencent à me gonfler là. Eagles et tout là. Ouais, je peux pas saquer leur tête. Je déconne, hein. Surtout Maxime là, il m'énerve lui, il m'énerve. Non, non, je déconne. On pratique l'humour ici ou pas là? Moi j'aime bien tout ce qui est humoristique. Hop. Donc voilà, j'ai pas vraiment de. J'ai pas vraiment de référence là tout de suite, mais bon, on va essayer de faire ça. Tout est possible avec Steven. Non, non. Non, 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 c'est faux, carrément faux. Si quelqu'un vous dit ça un jour, c'est qu'il ment. Cette personne ment actuellement. Hop, on va faire un mec avec un sweat. Puis
plutôt stylé. Pourquoi il vole lui? Non, 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 il va pas voler. Le pire, c'est que ça marche vraiment en plus ce truc, Maxime. Faut demander aux gens. Ah non, je peux pas. J'aime pas. C'est pas naturel en fait de demander aux gens de comprendre. Merde, c'est quoi ce film là par terre? Ok, je trouve pas ça naturel de. Ah putain! De demander aux gens de s'abonner ou de s'abonner et tout. Hop, oh, vas-y, ce dessin il me plaît bien. Je vais l'ancrer, je pense. Ou alors je vais laisser. Bah non, justement, il va garder son énergie comme ça. Mais vu que c'est toi qui le demande, Maxime, c'est ça qui est drôle. C'est que. Hop. C'est que bah voilà. Excellent. J'adore m'expliquer. Hop, là je mets de ma main vite fait. Parce que ma main est assez excellente. Ça, si vous pouviez la voir. Elle est sacrément belle. Non, non, je mens. Actuellement, je mens. Je mens assez souvent, les gens, faut savoir. Je mens à tout le monde. Surtout à Maxime quand je lui dis que je l'aime. Je mens à pas mal de gens. Putain, j'adore l'humour, c'est fou. Tu encres bien, tu encres très bien. Merci à toi. Youssef, salut. Non, s'il te plaît, encre-le. Appelez-moi Starfuckloon. Ah, ouais. Salut, ouais. Encre-le. Ah, je sais pas. J'aime bien là, il est bien. Il est bien vénère justement le crayonné là. Profériez pas comme ça. Eh, vous savez quoi? C'est le perso Hisoka. En vrai, normalement non, mais. Bah, je sais pas pourquoi ça a tout gâché les yeux là. Ça a tout gâché. Ça a tout gâché. Oh, je suis trop bon. Je suis trop bon en humour. Je trouve pas ma gomme, excellent. La mine de crayon là. Le gomme, le stylet gomme. Ah bah si, il est là. Excellent. Voilà, là, à la limite, ça peut passer. J'imagine. J'imagine. Putain, vous êtes perspicace, les gens, c'est fou. Vous êtes trop fort. Ça, c'est la communauté Starfoulesque, c'est pour ça. C'est quoi ton stylet? Je l'adore. Vous pouvez trouver ça partout, hein, dans les beaux-arts et tout. Vous pouvez trouver ça, hein, c'est facile. C'est Mono, la marque Mono. Donc, c'est trouvable dans tout, toutes les épiceries. Non, 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 non. Dans les magasins d'art. Quelle beauté dans cette main. Merci, mademoiselle Mina. Un crayonné à la Renault. Ah, c'est vrai, ouais. Genre, c'est un peu vénère. Bah, c'est lui qui m'a inspiré, en fait, à dessiner des trucs assez fortuits, assez vénères. Oui, normalement. Mec, il ressemble à un mélange de Gun et d'Isoka. Sérieux? Alors, vous l'aimez bien ou pas? Est-ce que vous l'aimez actuellement? Est-ce que quand vous le voyez, vous avez envie de faire des trucs pas très catholiques à ce personnage-là? Faire un perso de face. Voilà. J'obéis à tes ordres actuellement là. Alors attends. Ah mais c'est encore une pub ça, c'est fou ça. C'est fou les pubs. Ah mais non, c'est pas une pub, je suis enculé. C'est... Putain. Je fais une playlist et je reconnais même pas mes sons. C'est dingue ça.
On dirait qu'il a pas de coups, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi je fais ça. En plus, je gâche le dessin d'à côté. putain. Je suis un petit con. Non. C'est dommage, mais t'es pas grave. Il m'a volé mon cœur. De quoi? Ouais. Merci Luffy pour la pub. Rejoignez le Discord hein, si vous êtes des dessinateurs et que vous voulez partager vos créations, c'est un bon deal. On est plus de 150 dessus, donc allez-y. Ensuite, important aussi, c'est mon Instagram. Dans la page, c'est le troisième lien, il me semble. Ma page Instagram. Voilà, je suis assez régulier dessus. Tous les jours, je poste des nouveaux trucs. Enfin, je veux dire, surtout dans la story, je veux dire. Des sourcils, sa mère là. Vous kiffez ou pas? Je savais pas que j'avais ce son de type la non s'avance. Ouais. Est-ce qu'elle serait pas genre trop choupinette celle-là? Enfin c'est un mec hein, mais un mec un peu extraverti quoi. Avec une tignasse qui part comme ça. De type il aime les hommes. Comme moi. J'aime beaucoup les hommes. C'est faux actuellement là. On est presque 40 là, mais c'est fou. Comment allez-vous? Pour les nouveaux, ce chanteur. Salut Marina. D'ailleurs, il y a une question que je voudrais te poser. C'est quand t'as rentré, meuf? J'allais dire mec. Putain. Le pire, c'est que c'est un toc en fait, de dire mec tout le temps. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi ni contre tes oiseaux. Promis juré. Voilà. La radim. Mon pas, tu m'as dit t'es gay. Le pire c'est que t'es la première à savoir ça.
Wesh bonhomme. Ouais, j'avoue. Je suis attiré par tout ce qui est... salut Folt06. Bricktonic, salut à toi. Tu décides depuis combien de temps? Parce que là, au niveau du corps, t'es fort. Merci beaucoup. Bah, ça va faire 2 ans et demi que je dessine. Environ. Environ, quoi. Par contre, Marina, tu vas me répondre, mais tout de suite. Je t'ai posé une question, là. Je vais... ça va mal se terminer, hein, avec toi. Pré-rentrer le 4. Ah, d'accord, ok. Go cependant. Bah non, attends, tu déconnes, toi, quoi. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Guy Punk, c'est une meuf de pivot, les gens. Elle était avec moi, dans la même classe. Voilà. Faut savoir qu'elle est très... Elle était très méchante. Oh, tu te calmes. C'était une fille, mais insupportable. Ultra relou. J'ai du mal à lire, mec. Tu me réponds, ouais. Te faire un amino star, c'est beaucoup plus pratique niveau dessin. J'ai trop la flemme d'avoir plusieurs comptes de partout et tout. On verra plus tard, parce que c'est vrai qu'Amino, ça a l'air pas mal, donc je verrai. Promis, juré, go se suicider. C'est faux, je suis très douce et distrait, tu vas toujours en études ou pas? ouais, tu t'inventes des cris, Allez, je vais trouver les mots. Hein. T'es féroce. Amino, c'est la vie. Bah, je verrai les gens. Dame activée. Attiré par les Zizi. Attiré par Maxime et Mehdi seulement. Sinon. Ah bah, les Zizi, là, ça y va. Là. Ce qui est dingue, c'est que avant de poser un seul trait sur mon sketchbook, à chaque fois j'ai aucune idée du dessin que je vais faire. Je commence par un trait et puis après ça aboutit sur un dessin. Bah, c'est excellent. Bah, du coup, c'est quand je réfléchis que j'arrive plus à dessiner. Ouais, je suis pété là. T'es pété. C'est ça, tu manges des bonbons? Non, je mange des queues apparemment là, comme vous le dites tous. Non, je mange ça là, les palais bretons de la marque Repère, c'est une tuerie. Une bonne marque en plus. Ce lancement dans l'humeur. Oh bah, tu sais, je m'en bats les couilles, moi. La musique de Doc Seven. Ouais, elle est sympa, elle est cool. Est-ce que ça serait pas un changement de style, littéralement? Ouais. Me demandez pas ce que c'est, hein. Je sais pas. C'est sa coiffure, voilà. Est-ce qu'il serait pas trop stylé? Non, toujours pas. Non. Les gens, ils sont là à chercher. Faut pas. Ouais, excellent. Est-ce que vous aimez ce genre de crayonner sa mère, hein?
Ouais, bah, je savais pas sur quoi j'allais partir et au final ça va être Yusa Itama. Juste en te regardant, j'apprends. Ah bon? Bah c'est nickel. Ça veut dire quoi, meuf? Des filles. Ah, des filles, d'accord, ok. Oui, avec des boobies. Je vais faire ça. Oh! Ça live, alors que ça devrait sortir ce soir à MDR. Chut, faut pas tout dire. Shooker, faut pas dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous en fait. Cover de ton manga. Mec, les crayonnés, c'est le feu. Ah bah nickel. Bah j'aime bien les crayonnés. J'aime bien tout ce qui est crayonnage. J'aime bien tout ce qui est nerveux. J'aime bien tout ce qui est basilie aussi. Faut me le dire hein, si je dois participer à The Voice. Hein. Franchement, on va pas se mentir, je suis hyper chaud en chant. Je suis là, je vous chante tout ce que vous voulez. J'ai la plus belle voix de cette terre. Ouais. Luffy. Mehdi, il a le plus beau corps. Du monde entier. Et Dieu sait qu'il y en a du monde hein, sur terre. Ouais. Is he like that? Ta vitesse, t'es Sonic réincarné, mec. c'est assez nerveux, ouais. Faire un petit KL de Dreamland. Ah ouais, vas-y, je vais faire KL. KL. Vas-y. Si tu m'as chauffé avec un KL, là. Bon, par contre, je sais plus à quoi elle ressemble. Enfin, je sais plus. Je sais à peu près, mais alors ses cheveux. Voilà, excellent. Et si j'utilise une référence maintenant pour dessiner? Ok. Aïe hop. Où est le tome 18? Je vais chercher les gens. Actuellement, je vais le chercher. Je m'apprête à chercher. C'est fou, c'est dingue ce qui se passe sur ce live. Il y a tellement de rebondissements. On n'a jamais vu. Mais alors. Attends, je serais pas le roi des enculés? Non, ok, il est pas en face de moi. Il aurait été juste en face de moi par contre. Oh là là, c'est excellent. C'est le moment où je vais commencer à chercher pendant 18 ans. En parlant de 18, je cherche le tome 18, mais c'est dingue. Tout est lié. C'est fou. Ah bah il est là en fait, il est par terre. C'est vrai que j'ai fait tomber des affaires, ça fait 2 jours que je les ai pas ramassées. Donc ça peut paraître assez embêtant. Le crayon gêne un peu peut-être, je sais pas. Hop, voilà, donc là, KL. Ok.
Je montre pas les planches, hein, sinon ça va spoiler peut-être plusieurs personnes qui ne suivent pas ce manga de folie, qui est assez folichon. D'où le mot folie d'ailleurs. Allez, allez, on défile. On défile et on montre du KL. Des petites basses. Vous les entendez ou pas là? Vous entendez le petit son derrière? Ah, là, c'est détente. Hein. On se touche la nouille sur ce live. Où es-tu, KL? Tu es dans tout le tome, mais j'arrive pas à te trouver. C'est ça qui est assez dingue. Ah ouais, ça m'a donné envie de dessiner un KL ultra vénère là par contre. Genre, voilà. Voilà que je vais le dessiner, le KL. Putain, le style graphique, il est tellement cool. Il est tellement cool. Oh, 40. Salut à nouveau, s'il y a des nouveaux. T'aimes aussi les billes. Et sinon, ce Isoka, t'inquiète même pas, Maxime. Hein. Il va arriver dans... Bah, pas pendant ce live, du coup. MDR. Ah oui, je suis en train de checker les messages sur le phone. Donc, si ça vibre, c'est normal. Hein. C'est quoi le manga vient d'heureux? Dreamland, Marina. C'est celui-là. Ça, là, c'est une dinguerie, ok? Donc, tu restes tranquille. Tu mens. Yes, je connais pas. Tu connais pas Dreamland, c'est fou. Tu mérites un bannissement à vie de la chaîne Starfulland, ce qui en soi ne serait pas la plus grande des sanctions, hein, loin de là. Ouais, hein. Bah, ouais. Je le trouve, hein. C'est ça qui est bien. Ce live est, à mon goût, un peu trop animé en ce moment même. Bah écoutez, on va partir sur un autre tome que le tome 18. Et plutôt sur le tome 17, actuellement. Actuellement. Oh putain, il est trop stylé. Et en vrai, il est hyper fort, Renaud Le Maire, pour le chara-design. C'est une folie. Hein. Une folie pure et dure. Dur. KL. Ah, il est stylé à ce fuck. Bon, je vais prendre ça pour exemple. Je vais prendre ça pour exemple. Ouais. Enfin, vous voyez pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais. Mais voilà quoi. Hop. Bah, ce qui est bien, c'est que je vais pas pouvoir le voir en fait. Est-ce que je serais pas le roi des imbéciles? Si, hein. Si. Il y a de l'affirmation en l'air là. Je dois te conseiller un autre manga. The Innocent. Le truc, c'est que vous me conseillez tout plein de mangas. Et au final, bah, j'en ai tellement plein de côté à devoir lire ou regarder animé que au final, bah voilà, j'arrive pas. Waltz, Renaud Le Maire, un nom aussi français que le fromage. Et le maire, en plus, il s'écrit L-E-M-A-I-R-E. Donc vraiment le maire quoi. Baki et Waltz. Ok. Bah écoute, je retiens. Et Starfoulin. Totalement, j'ai eu le tome 18, c'est un truc de fou ce manga, c'est une tuerie. Ouais, clairement. Dreamland, c'est une tuerie. Et partout, c'est trop bizarre. De quoi tu parles toi? Une différence à savoir assis et juste faire des erreurs de proportion. Black Stark, que dis-tu?
Zayn, tes dessins sont disproportionnés. Les Zayn Eagles. Ah, ok. Très bien. Restez tranquille. Aïe. Enfin, je me suis pas fait mal, mais. Au réflexe. Bon, quelle pose on va pouvoir dessiner le fameux KL actuellement là? Qu'est-ce qui vous dirait bien? Non, je déconne, je vais faire avec mon envie. Ok, je vois un truc. Genre comme ça. Ouais, bon, c'est assez vénère hein, les gens, on va pas se mentir. On va pas se mentir entre nous. Fini les mensonges. Hein. On est là, on arrête de mentir quoi. C'est vite chanson. Est-ce qu'on serait pas. Ok. Un petit goût de gomme à mi-pain maintenant. On va rectifier les proportions. Et ensuite on va partir sur un truc ancré tranquillement. Je vais retailler mon crayon. Je vais retailler tout ça. Allez, je te rejoins dans le dessin, Stevie. Allez, fais ça. Et t'as intérêt de me montrer ce que tu fais cette année. Hein. Sinon je t'enverrai des fucks par courrier, même si je connais pas ton adresse. Mais je le ferai, hein. Crois-le ou non. Ah, rageux, bah t'es un gamin, frérot, il est oui. Ouais, par contre, on s'embrouille pas hein, ici. Hein. Sinon, moi je banne direct. Hein. Je cherche pas Mehdi à 14h. Attention, les petits gars là. Attention. Hein. Sinon, Dieu sait que si je m'énerve, je m'améliore de jour en jour et je ne rabaisse pas les gens. Oui, bah, c'est ce qu'il faut. Hein, donc, faut rester tranquille. Je vais faire du sale. Les Nantais vont pas comprendre. J'ai envie de voir ça là. Starfou kick. Star regarde ce qu'il me dit. Non mais je sais bien Zayn, mais oui c'est vrai que c'est pas très cool. C'est moi les deux qui se disputent là, il y a une bonne ambiance et je sais pas tout. Allez hop, on reprend le dessin les gars. On reprend les queues. Est-ce que vous aimez ce pec gargantuesque? Pardon. C'est vrai que je suis en dessous de la caméra. Donc actuellement, ça a dû faire pas mal de bruit. Wow, un petit live tranquille là.
Vous kiffez ou pas? Enfin, vous kiffez. Ça va pas être le truc de l'année, mais... Est-ce que déjà, vous passez un bon moment? Si actuellement, c'est le cas, alors... vous ravissez une personne ici présente, c'est-à-dire moi. Ouais, donnez-vous des conseils, hein, rabaissez pas le dessin de l'autre, hein, si on a tous beaucoup à apprendre en fait. Donc voilà, si on voit que le dessin de l'autre a beaucoup d'erreurs ou je ne sais quoi, ce qui peut être objectivement le cas et ce qui doit être le cas, puisque rien, même les pros, hein, ils sont pas parfaits en dessin, plutôt que rabaisser, il faut justement comment dire, donner des conseils, donner des directives. Et c'est comme ça que on va tous progresser, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que toi, là, ton écran, tu vois ce que je veux dire? Parce que si actuellement tu vois ce que je veux dire, mais putain, mais c'est parfait. Et ce serait dingue aussi. C'est fou comment j'argumente. Oh merde, c'est mal cadré, désolé. Comme disent les Québécois, là. J'adore l'accent des Québécois. D'ailleurs, il faudrait pas tarder à souper. Désolé pour l'angle de vue, j'avais pas checké l'écran. Excusez-moi. Sauf Kim Jong-ji, il est parfait. Ouais, bon, ouais, j'avoue que... Bon, il y a peut-être éventuellement des mecs qui sont un peu trop chauds, mais bon. Tout ce qui est humanité et ne pas faire partie de ce monde aussi, voilà, faudra voir à pas trop être chaud. À ne pas être trop chaud, je veux dire. Merde. Alors ses yeux, comment ils sont? Ah bah ils sont excellents ses yeux, merde. Est-ce que actuellement ce serait pas genre ultra mal dessiné ici? Et c'est ça qui est dingue justement. Alors attendez. Juste avoir besoin. Ah oui d'accord, le visage est mal calé. Faut savoir que moi j'ai pas le même angle de vue que vous, alors du coup c'est très compliqué. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais m'attaquer au visage personnellement, tranquillement. Hop. Et Dieu sait que je reviens dans exactement pas longtemps. Oui, parce que ce serait con de foirer des dessins comme ça, quoi. Ouais. Fait des trucs du turfu ici. Non, non, toujours pas. Bah ouais, hein. Si je lui mets pas de fond aussi, ça va être compliqué pour lui. Voilà, mais c'est excellent ce qui se passe sur ce live.
moi qui décide et qui ne le montre pas. Bon, en gros, j'ai essayé de rectifier un peu le tir, mais bon, ça reste un croquis, hein. Faut que ça reste assez nerveux, assez vif, assez assez spontané. Bon, après, dessiner de la merde, c'est pas forcément... La commugue s'arrondit. Salut Max, salut à toi. J'invite les nouveaux à rejoindre mon Insta et le Discord dans la description. Je suis pas mal actif dessus, donc allez checker. La souris a twerké dans des paillettes. Marina, t'es trop drôle. Marina, tu animes les soirées, c'est fou. Dun, dun, dun. En vrai, ça serait trop, ça va être trop cool si comment dire, quand la communauté va grandir, si elle grandit bien sûr. Si je vais pouvoir, partager des comptes de potes et tout, ça va être cool. J'ai même des artistes que j'aime bien. Ça va être cool as fuck. Je sais. Et Marine. La communauté va rendir. Peut-être, hein, bah ouais. Ça, en tout cas, ça fonctionne pour l'instant, on verra après. Tu me donnes un souci, burn. C'est quoi? Salut, salut à toi, R2G. Comment vas-tu? T'auras les 10 000 abos, putain. Et tu sais pourquoi, moi j'aimerais d'un côté avoir les 10 000 abos. Déjà pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire pouvoir avoir plus de comment dire. Ouais, c'est ça le mot, c'est notoriété en fait. Même si à 10 000 on n'a pas vraiment beaucoup de notoriété, mais pour partager des artistes qui plaisent et tout. Genre la dernière fois, j'ai eu un gros coup de cœur pour Moski. J'ai partagé sa page et tout sur Insta, sur le Discord. J'en ai parlé sur ma chaîne et tout. Et au final, l'artiste il est monté à 284 abonnés à je sais pas, 600 ou 700 maintenant, tu vois. C'était il y a une semaine et demie, deux semaines. Et en une semaine, l'artiste était passé à 500-600, quoi, donc vous voyez le délire. Plus on sera nombreux, et plus je pourrais avoir peut-être une petite influence au moins sur la visibilité des artistes. Et ça peut être cool. Sur les artistes qui le méritent, hein, bien sûr. Après, je le ferai pas à tout le monde qui me le dit, hein. Je le ferai selon mes envies, quoi. Et aussi, à 10 000, ce qu'il y a, c'est que je peux faire des sondages, des annonces ou je sais pas quoi directement via YouTube. Genre je peux mettre une photo et poser une question à la communauté, mais à toute la communauté, au lieu que ça soit que sur Insta, puisque sur Insta il y a même pas un dixième de ma chaîne sur Insta, quoi. Genre il doit y avoir un trentième, voire enfin vous voyez le délire, quoi. On est très très peu hein, par rapport à la chaîne. Et c'est vrai que si je peux faire des sondages ou poser une question sur YouTube à 10 000 abos, parce que c'est à partir de là qu'on a cette option supplémentaire, je crois. Et bah putain, ça va être un délire. Ouais. Je vais pouvoir avoir l'avis de pas mal de monde. Genre pour des vidéos qui sortiront plus tard et tout. Par contre, le bras, il est minuscule, non? Attends, je verrai. Ouais, il est minuscule, j'ai l'impression. Ah, écoute, très bien, et toi, j'ai découvert ta chaîne il y a quelques temps grâce au Rediff Live jusqu'à Murata. Ah bah c'est cool, merci à toi. Elle te plaît ou pas la chaîne? En string éléphant, à 10 000 euros. Il fait un tuto beauté. Vas-y, je fais ça avec mon joli minois. Non, je déconne. Je veux te mettre une patate. What the fuck? Un shout-out sur Insta, frère. Des concours, de quoi les concours? Ah mais à 10 000 abos, c'est sûr qu'il y aura un concours, les gens. 10 000 humains comme moi, comme toi, ont appuyé sur ce bouton. T'as l'air drôle, d'ailleurs, tu ressembles à mon cousin dans l'humour et la façon de parler. Je suis ton cousin, Max. Tu ne le sais peut-être pas, mais je t'ai pas tout dit, mec. Hein. Je fais les trucs de mon côté et tout. On est peut-être proches, toi et moi, mais je fais les trucs de mon côté. Hein. On peut me frapper, bien. C'est
Starfu Murata. Et j'ai commencé à regarder les autres vidéos, puis j'ai grave kiffé tes dessins parce que ton style ressemble bien. Bah nickel, merci à toi. Oh, on se calme. Qu'est-ce qu'il y a? Back. Non mais vous imaginez les gens? 10 000. 10 000. Moi je compte sur vous en fait, partagez tout autour de vous. Non, en vrai, si on peut devenir une communauté de dessineux de type assez vénère, ça peut être cool. Surtout que ça va aller en grimpant. La qualité des vidéos et tout, ça va aller en grimpant. Parce que là, pour l'instant, comment dire? Pour l'instant, j'ai pas le réel matos qu'il faut. Donc mon phone et mon petit trépied de merde. D'ailleurs, il est cassé mon trépied, je l'ai acheté à 4 balles, tu vois. Voilà, j'ai pensé à des courts-métrages en rapport avec le manga ou autre, des trucs qui me parleront. Mais pour ce qui est de la qualité de dessin, j'achèterai une nouvelle caméra, un GorillaPod, un trépied très grand exprès pour les dessins et tout, vu d'en haut. Comme je le fais là, mais mieux installé, avec une meilleure installation. Des spotlights, vous savez, ces spots lumineux là qui viennent bien éclairer, ce qui fait qu'il n'y aurait pas les ombres comme ça qui recouvre le dessin et qui gâche un peu la vue. Voilà, j'ai plein de projets en tête. Des LED que je pourrais mettre derrière le bureau, comme ça si je me mets en facecam, et ben ça donnera une ambiance et tout dans la chambre. Voilà, j'ai énormément de projets, donc plus on sera nombreux, et comment dire, bah ça changera rien de toute façon au niveau des bah je sais pas quoi dire en fait, je suis pas sûr que j'allais partir. Les vlogs dessin, j'aime bien. Ça m'a pris un temps fou. Le dernier vlog, il m'a pris 10 heures de montage. 10 000 bits. T'en fais partie en plus, Marina. YouTube monnaie. Ah oui, voilà, c'est ça que j'avais parlé. Bah non, mais du coup, moi, je touche rien. Normal, hein, je suis à peine 6 000, les gars. Normal. Et surtout que j'ai pas le code pour Google AdSense. Pour être très clair avec vous, j'ai même pas accès à Google AdSense, alors bon. J'ai beau, entre parties, monétiser mon propre contenu. Derrière, je vais rien toucher si j'arrange pas le problème. Et pour l'instant, j'ai un peu la flemme d'arranger le problème, parce que de toute façon, je génère rien, ce qui est normal. Mais peut-être qu'un jour... Le mec qui a un top de Suskiki, là, il va se calmer. Ça serait dangereux. T'es à 6400. Ouais, le vlog où je dis que j'étais à 6300, en fait, je venais tout juste de passer à 6400 quand j'ai upload, quoi. Donc ça va vite, ouais. Yo, salut Marine. Donc on a une Marina et une Marine. Salut Marine André. Marine André. Alors, lequel est le prénom, lequel est le nom de famille, du coup, là? Sasuke le Suskiki. C'est faux. Donc là, je fais des ailes. C'est vrai que ça peut être très compliqué de le comprendre comme ça, mais voilà, je fais des ailes. Donc ouais, surtout de la bonne lumière et tout, des trucs cool. Donc, je vais essayer de m'accaparer du bon stuff. Ah oui, et surtout les gens, ce que j'aimerais trop prendre, c'est un stabilisateur pour téléphone. Et là, niveau cadre, niveau fluidité de l'image, niveau stabilité de l'image, je vais pouvoir faire des travelling et tout, ultra proprement, juste avec mon phone. Donc, ouais. Comment Dieu. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. Je suis jalouse. Ça fait plaisir, merci. Je donne des cours de manga, vous allez pas être déçus.
Moi. Merci à vous les gens. Merci d'être là, c'était super cool. Genre, j'apprécie. J'apprécie tout ça. De type, tout ce qui est apprécié ici, bah, on est là. On est là. Puis merci à tout votre soutien aussi, puisque j'en parle peut-être pas assez de ça, mais tout est positif en fait, vraiment. Genre rien que sur le vlog en fait, j'avais peur que, comment dire, que ça soit gênant en vrai. Parce que genre faut, moi je suis pas habitué à la caméra, alors du coup bah, c'est chaud en fait de parler à une caméra, parce que je sais que vous serez derrière à regarder la vidéo et tout, donc ça vous est dédié forcément. Mais parler directement à une caméra en fait, c'est pas simple. Et genre du coup, mais bon, bah faut se lancer de toute façon. J'aime bien, je kiffe l'audiovisuel, donc. Et puis ça va aller qu'en grandissant, et puis vu que j'ai des retours bah, que positifs au final, bah du coup c'est vrai que ça décoince devant la caméra par exemple. C'est tout con, hein, mais c'est une réalité. Hein. Voilà que c'est une réalité. De type Realidad. Genre. Waouh. Wow. Petit ombrage des familles. Petit ombrage des familles. Yeah, merci de faire de si bon live. Bah, merci à toi, Darnix. C'est vrai que t'es assez chaud, toi. Je me rappelle des commentaires là. SNK Shin Geki no Kyojin. Oh putain, faut que je regarde l'anime. J'ai regardé que l'épisode 1 de la saison 3 là. Parce que quand je regarde tes dessins, ça manque de punch, tu vois. Ça manque de dynamisme. Alors, pardon. Faut que je remonte. Puis, du coup, tu devrais taffer les postures, ça pourrait t'aider. C'est à moi que t'aies dit ça ou pas hein? Le hug était grave cool, ça se voit que ça t'a pris du temps de le faire. Merci à toi, Norgame. Et salut, bonsoir à toi. Et ouais, il m'a pris énormément de temps. Le tournage et tout, ça a pas pris énormément de temps, ça. Enfin, si, ça a pris sur quelques jours, puisque j'ai pas tout fait d'une traite. Mais c'est vrai que le montage, il m'a pris un bon 10 heures, ouais. 10 heures quand même. Taf, 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 et encore du taf. C'est bon, je suis sur le Discord, je mettrai les dessins, Inch'Allah. Bah parfait, El Flaco, c'est là pour ça, donc amuse-toi. Voilà, amuse-toi avec. Quoi, c'est moche. Merci Maxime, je t'aime. En vrai, je suis un mec. Marine. Ah, ok, je suis jalouse. Ah oui, d'accord, t'as très bien joué le jeu. Tu as très bien joué le fameux jeu, c'est fou. Oui, je parle à toi. Ah oui, d'accord, ça manque de dynamisme. Ouais, bah de toute façon, je suis loin d'être bon. Hein. Je suis loin d'être bon, j'ai tout à revoir. Mais je te propose de me suivre pour quand je ferai des pages de manga. Donc là, je vais vraiment évoluer, je pense. Forcément je vais sortir de ma zone de confort pour les pauses et tout, donc il y aura de la merde, mais je vais progresser en tout point, donc quand je vais commencer le manga, je propose d'être tous là, puisqu'on va faire des grosses sessions de live quand je pourrai, pas régulièrement puisque j'ai un forfait limité, puisque oui je suis tout le temps en 4G quand je fais un live, il faut le savoir, et voilà quoi. Marine, j'ai cru que j'étais pas toute seule. J'avoue que là c'est une trahison pour Marine. C'est qui ce personnage? C'est Kael de Dreamland. Voilà, je l'ai refait. C'est Volume, c'est Michel. La pose ressemble à la pose de l'escalator. Ah ouais, j'avoue. C'est Sarko. Ok, c'est noté. Ah bah nickel. Si ça se note là, si c'est noté, c'est parfait. Parfait comme un chibre bien poli. Je sais pas ce que je dis. Hop, ok, c'est noté. Maxime, dites à Maxime qu'il est moche un peu. C'est vrai qu'il est un peu vilain, il faut savoir qu'il est très poilu. Il m'a montré ses fesses la dernière fois. Je déconne. Hein. Ah merde, y'a plus de son. Y'a plus de son, what the fuck, t'es moche. Bah moi je me suis pas un mec. Mademoiselle Mina, ouais. Actuellement, on a eu de Mademoiselle avec nous. C'est fou. C'est fou ce qui se passe en ce moment sur le live.
Naruto, Sasuke, Sasuke, Sasuke. Pourquoi vous, Naruto, Sasuke, là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez vous battre ou quoi, là? Yamcha, Naruto. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Boruto. Je vous propose de rester tranquille. Yes, on est deux meufs. C'est vrai qu'il y a très peu de filles sur ma chaîne. Mais bon. Si y'a Marina, alors nickel alors. Bon, si elle pouvait partir aussi, ça serait cool, mais bon. Bon, je déconne, hein. Reste là. Tu pourras faire des colonisations un jour dans tes lives. Fais une meuf. Oui, je ferai de la colo, ouais. Fais une meuf. Ah, j'arrive pas à faire des meufs. Mais oui, vas-y, allez. Je vais faire une meuf à poil. J'adore les meufs à poil. Pff, putain, ça sonnait très... Ça, je peux le dire, tu vois, pour les mecs. Parce que... Je sais que je suis pas gay, mais sinon... Une nana... Allez, vas-y, j'assigne une fameuse. Ouais, mais par contre, il faut avoir un minimum de mouvement, quoi. Genre là, je vais dessiner un truc statique, un corps ultra statique. Il me faut une pose actuellement avec des seins. Mais elle est folle. Une pose féminine, une pose féminine actuellement. Allez, on va partir sur ça. Wow, mais quelle est cette jambe? Mais quel est ce fameux truc? Moi, c'est ce qui me complique encore plus la vie, c'est pas les meufs en elles-mêmes. C'est la coiffure, mec. Eh, c'est une dinguerie, hein. La coiffure de... Ah, mais je suis encore mal cadré. Je suis désolé. Actuellement, je m'excuse comme jamais. C'est fou, mais c'est dingue. Ça se voit que tu m'as du porno. À qui tu parles, toi? Bah ouais, mais faut sortir de sa zone de confort. C'est bien, ouais, ouais. Guy Punk. Ah oui, vous parlez à Marina. Les gens, vous êtes-ils là? Actuellement, on parle de tout sur cette chaîne. C'est dingue. Ça fait presque 2 heures qu'on est en live. Déjà, c'est fou, ça. Les dessins sont proportionnés. Oula, oui, non, ça, c'était il y a longtemps, ça. Alors, attendez. Désolé, l'écran bouge. Alors là, je suis en train de faire tout défiler. Eh, vous êtes chaud au niveau message, en plus, hein. Moi, je dessine trop de mecs, aussi. Bah c'est vrai que pour les mecs, voilà, ça, maintenant c'est ultra fluide, hein. Quand je dessine un mec, ça va tout seul. Mais alors pour une meuf, là je suis devant ma feuille en mode star fula, quoi. Qui m'aide pas du front pour être réaliste. Moi je dessine pas mal, mais j'arrive pas à dessiner le manga. Faut... C'est pour moi. Tous les jours. J'ai une heure pour ça, c'est genre vers 6h du mat. Pourquoi Starful? Des cheveux de meuf actuellement, s'il vous plaît. Des cheveux de meuf. De type une chevelure féminine. Il me faudrait ça. Oui. Bah non, j'essaie juste de donner du mouvement à un dessin pour qu'il soit un minimum attrayant, quoi. Je vois pas pourquoi il y a direct le débat du cul ou je sais pas quoi, c'est chelou. Donc je m'entraîne, Guy Punk, juste. Tu vois? Ah, dommage, Max.
Putain, eh, vous avez d'excellents conseils, les gens. Une chevelure de type féminine. Mais attends, mais c'est cool, il n'y en a pas une dans ce tome. Mais oui, oui, oui. Mais ça serait-il pas fortuit? Bah si, bah si, bah si. Alors. Down, down. Ouais, allez. Chez moi, je cherche, c'est vrai, je cherche toujours à faire minimum stylé, tu vois, dans le car design. Alors, je sais pas ce qu'il faut rechercher en fait. Je suis con. Le bien, c'est que je suis le premier à dire qu'il faut pas chercher à faire tout le temps beau. On dirait que tu fais pas de base. Bah, en fait, je le fais de tête. Une fois que j'ai. Bah, attendez, je vais voir si ça correspond bien. Et là, je l'ai fait vraiment de tête. Alors, boum. Plus les pieds, bah ouais, bah c'est proportionné pour moi. Calmez-vous, hein. Ouais, carrément. Ouais. Me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Par contre, je vais rechercher les images là de fringues. Pinterest, boum. Des fringues, s'il vous plaît, actuellement. Actuellement. Il me faut des fringues. Alors, tenue, je sais pas quoi, tenue femme. Allez. Voilà, ça me semble parfait, ça. Actuellement. Bon, est-ce que vous allez bien, vous tous, là? Est-ce que... Ah, voilà, ça, c'est simple. Ça, c'est simple. On va partir sur ça, là. Merde, excusez-moi. Attends, quoi? La propre imagination de quoi? Ta propre imagination ne peut rien chercher encore. Mais de toute façon, il faut une banque d'images, hein. Les vêtements, vous n'allez pas les créer de votre tête comme ça, hein, à part si vous êtes extrêmement doué. Là, c'est pour voir comment je dois faire. C'est-à-dire. Ouais, j'arrive pas à vous suivre là pour le coup. Je sais pas de quoi ça parle. Donc je retourne à mes dessins. Désolé pour le bruit. Ah oui, il faut que je change de fauteuil aussi là. Oh, j'ai tellement de trucs à changer. C'est fou. Donc ouais, hop, petit coup de gomme à mie de pain pour pouvoir repasser dessus ensuite. Par contre, ça c'est juste au-dessus de ma tête, ce qui fait que... Oh merde. Ce qui fait que... Vous avez l'ombre de mon de ma chevelure de temps en temps, c'est chiant.
Sinon, Marina, si t'es toujours là, je te souhaite une bonne rentrée d'avance, hein, avant que j'oublie. Et puis, bah, au mec aussi, si tu veux faire passer le mot. Pas aux meufs, hein, puisque... Parce que bon. Mais genre Gauthier, bah Romain c'est ça. Ah bah non, Gauthier et Romain, c'est vrai qu'ils y sont plus putain. Ah non mais attends, du coup Bah Rémi. Bah tu sais quoi, fais passer le mot à Rémi. Et voilà. Si tu peux. De toute façon je lui enverrai un message je pense. Mais sinon à Rémi, voilà. Et puis à ta copine aussi, NDR. Merci, je leur dirai. Nickel, merci à toi. Merde. Ah ouais, putain, c'est vrai que... Ah ouais, fuck. Putain, c'est vrai que je réagis maintenant, bon, c'est dingue. Et pourquoi je m'attarde sur ces détails, moi, de toute façon, what the fuck. Remoulaf. Salut Alexis. Tête de con. Nian Riven, les concours se font, ça fait évoluer. Ouais, salut à toi Nian. Excuse-moi si je me trompe, mais c'est la première fois que tu viens sur un live, non? Enfin, ou du moins que t'écris. Je crois que c'est la première fois que je vois ce pseudo. Hop, je me rebalance sur le dessin du coup. Alors c'était au niveau de là, du nombril, boum. Et ensuite, des plis un peu, hein, comme ça. Et ensuite. Mais c'est fou ce qui se passe, c'est dingue. Oh mais attends, mais du coup t'as bougé toi? T'es chez ta mamie toi du coup? Comment vas-tu mec? Comment tu te portes là-bas? Hop. Ouais, j'espère qu'il va arriver à faire tous ces trucs là. Notre bon vieux Rémi là. Il était cool. Une bonne rencontre. Il faut un minimum de traits là pour le t-shirt. Faut que j'arrive à le texturiser, je sais pas comment on peut dire ça, mais en un minimum de traits. Voilà, comme ça, boum pour la poitrine.
et hop, et hop, hop. Genre un truc comme ça, ouais. Ouais, 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 là c'est bon. Enfin, c'est bon. Pour moi. Ça veut dire que c'est bon pour tout le monde. Ah, les yeux d'une meuf, c'est dingue, comment j'y arrive pas. Vas-y, je vais dessiner plus de meufs maintenant. Parce que... Hop. Excellent, excellent, et que c'est là. Oh bah tiens, je vais faire des lunettes. Juste pour pas avoir à dessiner les yeux. Je vais dessiner les yeux à côté là. Texturé. Ah oui, bien vu. Merci à toi, Davisman. C'est dur à dessiner les persos. Ouais. MDR, Darnix. Ah, Darnix, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, John Watson, Weston, After War, tiens. Ah, nickel. Je vois pas qui c'est, mais t'inquiète même pas. Archibonne, du coup, Gipunk, je l'imagine Archibonne. Ouais. Ressort un peu trop. Peut-être bien, ouais. Deep boobs. Des persos féminins. Ouais, c'est dur. Deep boobs. Starf. Ok, nice. Putain, on est 33 en vrai, c'est cool, hein. C'est dingue. It is very dingue. Allez, on reprend le dessin. On reprend le fameux dessin, mais comme jaja les gens. C'est ça qui est fou là. John Watson de Sherlock. Je vois qui c'est, hein. Je vois qui c'est. Non, 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 toujours pas. Est-ce que John Watson, c'est l'acteur de... Mais dites pas que t'as pas... Si, 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 j'ai vu, hein. J'ai vu. Sûrement, un jour. Lock. Non, j'ai pas vu. Est-ce que c'est l'acteur du type qui joue les magiciens dans, je sais pas, dans Avengers? Je sais plus comment il s'appelle. C'est... Excellent, la fatigue qui se fait sentir actuellement. Est-ce que on la sent? Oui, on la sent. Mais c'est fou. Bon, vous savez quoi? C'est assez fou ce qui se passe. Alors. Oh merde, putain, je me suis tapé le truc dans le nez là. J'avoue que je me suis aidé de la photo là, bah de toute façon il faut tout le temps des références, hein. Je peux pas me justifier, mais pour la coiffure. Enfin la coiffure elle est vue d'un angle carrément différent, d'un angle de vue carrément différent, donc j'interprète à ma façon après, mais voilà quoi. Vous voyez le délire. Est-ce qu'elle n'aurait pas la classe comme ça? Non, du tout. Un peu quand même, non? Bon, d'accord, pas de soucis. Je le prends pas mal après. Vous êtes méchant, hein. Vous êtes méchant, c'est tout. Comme il était Starfoulant, donc... vous l'avez le délire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Excellent. C'est gros yep là.
Bon bah voilà, un petit croquis de fer. Hop, ça c'était pour miner le crayon un peu, pour pouvoir faire des... Des petits ombrages sa mère. Petit but fait. On n'a pas le temps ici. On a... Pas le temps. Bon bah voilà. Soirée croquis hein, comme je dis. Ça peut être gargantuesque. Ça vous plaît ou pas? Un minimum, je sais pas. Un minimum de type assez dégueu. J'adore discutailler, c'est fou. Un chouïa gros. Ouais sûrement ouais. Oh mais vous savez. Vous savez. Merci beaucoup, Eagles. Jump Ryu, ouais, ouais, je connais très bien. Jump Ryu, je connais. Vas-y, hein, je vais décaler le mollet, parce que c'est vrai que maintenant que vous me l'avez... Hop. Bon, je vais pas faire un changement extraordinaire non plus, mais... Ouais, je connais Jump for You, au calme, ça passe, c'est très intéressant comme vidéo. Ouais, ouais, c'est ultra intéressant le Jump for You. Es-tu belle? Salut Futai! Yo! Et ouais, tu gères de ouf. Je sais pas à qui tu dis ça, mais par sécurité, je vais te dire merci. Comme ça, c'est parfait. Ok, bah nickel. Du coup, le magasin Starfou, non, je connais pas. Bah technique, je prends Shonen Jump et je dessine toutes les histoires qu'il y a dedans pendant une semaine et après je dessine sur mon sketchbook tour pendant une semaine pour voir mon amélioration. Ah, je vois. Comme ça, t'as des références, tu comprends mieux certaines choses. Ouais, ouais, je vois ce que tu... Ça peut être une bonne technique aussi, mais bon. Le mieux, c'est de faire ses propres planches en ayant des références à côté. Salut Ludro, salut à toi. Je te rappelle sur Insta quand je t'avais dit comment faisait Inyo Asano pour les décors, bah j'ai réussi du coup, tu veux voir. Carrément, si tu peux me montrer ça, bah envoie-moi ça en message privé sur Insta, mec. Tu fais comment? Tu fais comme quoi comme prochain dessin? Je sais pas ce que ça veut dire. Salut Quarto Otaku. Je vois qu'il y a des nouveaux là sur le live, c'est cool. Je vous invite à rejoindre la chaîne déjà, Starfouland, et sinon mon Insta et surtout le Discord, on est plus de 150 dessus. Si vous êtes des dessineux et que vous voulez des critiques par rapport à vos créations, vos dessins et tout, allez-y. Et ensuite, j'ai mis le lien d'un manga, d'un starfou de la chaîne qui a fait un manga qui est sur Manga Draft en 3 chapitres. Voilà, allez lire et surtout allez donner lui vos avis, vos critiques constructives qui pourront l'aider à l'améliorer. Allez-y quoi. C'est le dernier lien dans la description. Allez checker. C'est Gang Meteor. Meteor Gang, il me semble. Je parle juste pas. D'accord, ok, Ludro. Il y en a pas mal qui sont silencieux. Comme dessin. Moi, je vais voir. C'est fait, poteau Starfou. Nickel, merci à toi, Swan. Nika, Jap, sur tous les aspects du manga. Ça, c'est cool, ça. Je re Starfou. A tout de suite. A tout. Tu sais dessiner les dragons? Non, pas vraiment. A tout de suite, Mina. De toute façon, moi je vais pas tarder, hein. Dans 30 minutes je pense que je vais arrêter le live parce que j'ai des trucs à faire aussi après. Bah ouais, bah vous pouvez donner vos avis sur les images que vous partagez. Hein. C'est hyper ouvert. Il y a des onglets pour ça, il y a des onglets bavardage, il y a des onglets création, discussion,
Il y avait eu l'onglet concours qui est toujours d'ailleurs, mais qui est inactif forcément parce qu'il n'y a pas de concours en ce moment même, mais il va y en avoir un, peut-être 8000, 10000 c'est sûr. Mais sinon, c'est vrai que si j'en fais un pour les 7000, ça va peut-être être trop tôt, je sais pas. Depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi, je pense. Tu sais dessiner des mechas? Non, j'ai jamais fait en fait. Dragon et mecha, j'ai jamais dessiné, donc... Je te vois un lien sur Discord pour le manga Junku que tu auras. Attends. Ouais, merci Swan. Les poteaux. Mais c'est dingue. Ah oui, excellent, vous voyez pas si je dessine là. Ça peut être fortuit en effet. Fortuit comme... Comme pas mal de trucs au final. Non ?
Est-ce qu'on s'amuserait pas là actuellement? Est-ce que ce serait pas genre Madness Me? Est-ce que ce serait pas le but d'un crayonné au final? Est-ce que ce serait pas le putain de but? Sur les cheveux, c'est un fou. Ah ouais, non, mais carrément, moi j'ai un gros bug sur les cheveux. Faut retailler crayon. Hein. Taillez. Tu peux montrer tes mangas pour voir ce que. Ouais. Ça se ferait aussi dans les gars, c'est bien, mais il y a une limite, comme le fait très bien Chosen One. Il y en a un qui, par exemple, pour Bleach, va faire les mêmes yeux, les mêmes plans. Ouais, mais quand je dis s'inspirer, est-ce que... Bah déjà, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Mais quand je dis s'inspirer, c'est avoir des références, quoi. Avoir un style qui nous capte, qui nous captive, et ensuite, je sais pas, à partir de là, peut-être. Je sais pas, hein. C'est pas le meilleur conseil non plus, mais... Bah là actuellement je ne sais pas quoi faire. C'est juste pour savoir bien si. Ah d'accord, ok. Très bien. Très bien foutaille. Actuellement, j'ai envie de te dire, bravo. Il n'y a plus de son actuellement. On va pas remettre ça. On va remettre à partir de là. 100% des classiques. I said I like it like that. Salut Alexis La Silva. Salut à toi. Comment te portes-tu actuellement? Je suis en train de relire vite fait tous les messages. Oui, il y a beaucoup de choses à améliorer dans Meteor Gang. Donc je lui ai donné pas mal de conseils là-dessus. Mais déjà, faire autant de planches, c'est déjà énorme, ouais. Donc il persévère, c'est un mec qui persévère. Je sais pas comment il y a ça. Mais qui lésine pas sur l'effort, donc il va avancer. Hein. S'il continue et qu'il fait les bonnes choses, il va avancer. Donc voilà. Voilà.
Attends, c'est dur de dessiner comme ça là. C'est quoi le prochain live du coup? Je sais pas. Demain, je vais avoir pas mal de trucs à faire. Je vais voir des gens aussi, surtout. Donc ça sera pas demain, je pense pas. Hein. Les gars. Demain, pas de live, à mon avis. Ouais. Et ouais, je ferai un manga sur le street workout alors. Alors attendez. Ouais, je vais attaquer le projet. One shot street workout plutôt que de faire le truc avec le poulet là pour avant. Parce que street workout là, vous allez voir, je vais là apprendre sur l'anatomie et tout, et puis même ça va me faire sortir de. Et ma petite pull. Excellent, on adore l'humour ici. C'est fou. Ah oui, pour que ça fasse cet effet de tête levée vers le haut, faut faire ça. Oh putain, je m'étais trompé là, anatomiquement parlant. Bon, il y en aura pas mal hein, des ratures. Hein, vous avez... Tu fais quoi à partir de la rentrée? Tu continues l'école d'art ou tu pars sur autre chose? Non, j'ai abandonné l'école d'art parce que je voulais apprendre tout seul en fait. Et comment dire, là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher du taf. Dès demain, je vais à des entretiens. Et puis ensuite, je vais bouger sur Nantes dans quelques mois, normalement, avec un pote ou deux en coloc. Et là, on va full dessin encore hein, tout le temps. Toujours. Hein.
Eh mais non, maintenant du coup oui c'est con. C'est con, c'est con, c'est con. Décomposer un bouffon. Excellent. Bon là je vous avoue que je fais d'imagination hein, donc sans document c'est plutôt compliqué. Même très compliqué là. Parce que là c'est full anatomie, c'est contraction de muscles. Vous voyez le délire actuellement là. Ça, c'était mon physique d'avant. Non, non, vraiment pas. Bon, en vrai, si. Non, non, vraiment pas. Ouais, ouais, Dry Swan, c'est ça. Tu as quel âge déjà? Si c'est à moi que tu parles, j'y vais. Je pensais m'être enfin débarrassé de toi, c'est bien sur le blague, Steven. Ah putain, ça fait chier ça. Non, 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 ça me. Non, là par contre, bon, j'arrête le live des gens, Marina m'a blessé. J'y vais. À tout. Non, MDR, on va dire l'humour aussi, c'est chiant. L'humour est à son apogée, je suis fatigué. Merci mec, aucun problème pour moi. Marina, tu files un mauvais coton. Un mauvais coton tige, un mauvais coton tige. Ah ouais putain, je suis pressé de faire du street quand même. Je suis pressé de faire des planches de street là, ça va être cool. Avec des figures monstrueuses là. Genre. Boum. Genre. Boum. Comme ça là. Non. Pour le mec là. Genre, ouais, bon, vous comprenez rien à ce que je fais, mais. Même moi, je comprends rien à ce que je fais là, mais. Vous inquiétez même pas. Si quelqu'un ose s'inquiéter ici, franchement. C'est vous me faites pas confiance déjà. Mais ça, ça me plaît moyen. Je vous assure, on va se battre un jour. Ça va être vénère. Une semi-planche. Comme vous pouvez ne pas le voir à cause de mon dessin dégueulasse. Sauf le jour pour me déglinguer après. C'est pas son humour donc je. Que je quitte. Eh oh, mon humour est... n'est même pas à déplorer, ok. Eh, je vois que ça partage les snaps et tout là. Ah ouais. Hop. Bon. Alors en vrai, on est presque à 2h30 de live. Je vais pas tarder à arrêter les gens. Voire arrêter maintenant au final. Parce qu'il faut pas que je bouffe tout mon forfait maintenant, il me reste 6 jours. Et il faut que j'upload des vidéos. Enfin il faut. J'ai besoin encore de forfait pour upload les vidéos et puis histoire de refaire un dernier live aussi avant la fin. Du 6, avant le 6, je veux dire. Voyez-vous ce que je suis en train de dire. Donc voilà.
On peut se rejoindre où? Bah sur le Discord, hein, les gens. Sur le Discord, et apparemment c'est sur Snapchat aussi, donc allez sur Snapchat. Enfin, retrouvez-vous personnellement sinon. Sinon, il y a mon Instagram dans la description, je vous invite à le rejoindre, il y aura pas mal de... Il y a pas mal. C'est pas qu'il y aura pas mal, c'est que je suis pas mal actif en story. Pour poser des questions, faire part de mes références et tout, enfin bref. Et comment dire... Sur le Discord aussi de la chaîne, on est plus de 150, si ce n'est plus de 160 maintenant, je sais pas. Et comment dire... Voilà, il y a pas mal de personnes qui participent, énormément dans la journée, donc c'est cool. Et voilà, sinon j'ai mon site dans la description, c'est mon shop Big Cartel, en gros. Vous pouvez aller checker ça, si vous avez envie. Et pour expliquer le délire, en fait, les trois dessins qui représentent les trois contreparties, on va dire, c'est pas les dessins qui sont vendus. Hein. Les dessins, c'est par rapport à ce que vous commandez. Voilà. C'est par rapport à ce que vous voulez que je dessine pour vous, en gros. Le crayonné, par exemple, si vous prenez le crayonné à 10€, c'est pas le crayonné que vous voyez en image qui comment dire, qui vous est... livré, putain. Je sais pas comment dire ça en gros, mais. En gros, c'est selon votre demande, quoi. Si vous avez un personnage en tête ou si vous voulez que je dessine une de vos idées en personnage uniquement, vous me faites part de votre idée ou du personnage que vous voulez que je dessine et voilà, je le dessine et je vous l'envoie. En gros, c'est ça. Donc, ouais, c'est juste des exemples, les trois images, voilà. Donc, Insta, Discord, Big Cartel et lire le manga de GZ Manga. C'est Meteor Gang, voilà, excusez-moi. Voilà, merci à vous pour cette soirée, c'était cool. On a discuté tout tranquillement. J'ai fait un peu de sketch. C'était intéressant. Hop, je vous remets à la première page. Enfin, c'était pas vraiment la première page. Voilà, c'était cool, merci à vous. On va passer une bonne soirée. La bise. La bise, ouais. GMX, il se crée sa propre commu, lui. Enfoiré. Allez, merci à vous. Tchuss tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée à vous, ouais. Ciao. Cimera.